beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Julien Aubert. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Ministre, je souhaiterais appeler votre attention sur les cours d'enseignement des langues et cultures d'origine. Vous avez compris, je voulais vous parler de ELCO. Alors, vous savez que ce sont des cours qui sont dispensés à partir du CE1, à titre optionnel, à raison d'une heure et demie à trois heures par semaine, par des enseignants qui ont reçu leur formation dans leur pays d'origine et pour lesquels le contrôle est relativement léger, avec un risque parfois de prosélytisme déguisé de pays religieux. Alors, le maintien de ces dispositifs ELCO aujourd'hui n'a plus de sens. Leur base juridique, ce sont des accords internationaux bilatéraux signés entre 1977 et 1985, il y a une directive européenne d'ailleurs de 1977, qui visait à permettre aux enfants de familles immigrées de poursuivre une formation dans leur langue d'origine en attendant de retourner dans leur pays. Aujourd'hui, ce sont des cours qui s'adressent à des enfants français issus de la troisième génération d'immigrés qui ne retourneront évidemment jamais dans leur pays d'origine. C'est un dispositif que je trouve communautariste, qui va à l'encontre de la cohésion nationale, et c'est même d'ailleurs le Haut Conseil à l'intégration lui-même qui le soulignait et qui demandait sa suppression en 2011. C'est pourquoi de nombreux parents ne comprennent pas pourquoi on favorise ces langues d'origine, au détriment d'ailleurs au passage de l'apprentissage du latin, du grec, voire tout simplement du français. Et vous savez, les conclusions de l'enquête PIRLS réalisée tous les 5 ans ont montré que le niveau de lecture et de compréhension des textes des élèves français de CM1 déclinait sérieusement depuis 20 ans par rapport à la moyenne de nos voisins européens. Vous avez d'ailleurs même jugé que ces résultats étaient préoccupants. Ils ne sont pas d'ailleurs les seuls à s'interroger, ces parents, parce que des maires refusent l'introduction de ces enseignements dans leurs écoles. Et dans ma propre circonscription, le maire de Pertuis, Roger Pellinck, s'est vu imposer la mise en place de ces enseignements alors qu'il n'avait même pas été préalablement informé par l'inspection académique. Il l'a découvert par hasard. Alors, une question très simple. Est-ce que vous pensez qu'il faille continuer à enseigner des cours de langue d'origine à des enfants qui peinent déjà à lire et comprendre des textes de français? Et ne pensez-vous pas que ça a un impact en matière de communautarisme et de cohésion nationale? Merci beaucoup, Monsieur Julien Aubert. La parole est au ministre Jean-Michel Blanquer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Julien Aubert, votre question est importante et elle a plusieurs dimensions. Mais en premier lieu, je ne voudrais pas opposer la question de la maîtrise du français et la question de la maîtrise de langues étrangères. De façon générale, bien entendu, la maîtrise du français est notre priorité, c'est absolument clair. Et je le répète, lire, écrire, compter, respecter autrui est au cœur de la politique que nous avons à mener. Et vous l'avez dit, j'ai un constat vigilant sur la situation actuelle, d'où l'ensemble des politiques qui sont menées à l'école primaire. Donc la politique du français est évidemment, de la maîtrise du français est évidemment au cœur de nos politiques. L'apprentissage d'une langue étrangère est un élément positif au service de l'apprentissage du français. C'est démontré pédagogiquement, cognitivement. Le fait d'apprendre une autre langue sert à l'apprentissage du français. Maintenant, il y a l'enjeu des conditions d'apprentissage de cette autre langue. La France a connu un certain nombre de progrès à l'intérieur de l'école de la République en la matière, avec notamment la généralisation de l'apprentissage d'une langue vivante 1 à l'intérieur de l'école. C'est évidemment la modalité la plus souhaitable, je vous l'accorde bien volontiers. Par ailleurs, il y a ce dispositif ELCO, dont vous avez rappelé rapidement la dimension historique, et qui parfois, c'est vrai, peut avoir un caractère un peu obsolète par rapport aux évolutions de notre situation. La situation est très différente selon les langues dont nous parlons, mais à chaque fois, il s'agit de langues très importantes, de langues vivantes, dont nous devons veiller à l'enseignement dans notre pays. C'est vrai du portugais, c'est vrai de l'espagnol, c'est vrai de l'arabe, c'est vrai du turc, pour prendre les exemples les plus connus. C'est donc tout naturellement que nous devons veiller à ce que cet apprentissage des langues se passe. Comme il s'agit de conventions internationales, les évolutions nécessaires vont prendre du temps. Je ne suis pas du tout en mesure de vous annoncer des mesures nouvelles en la matière de ce fait, mais il est certain qu'une réflexion est ouverte sur ce point, de façon à s'assurer à ce que ces langues soient enseignées à l'intérieur de l'école de la République et que toutes les dérives éventuelles que vous avez pu constater puissent ne plus exister, notamment par des mécanismes de contrôle renforcés. Ça, c'est les choses que nous ferons à court terme. À plus long terme, c'est surtout la généralisation de l'enseignement des langues vivantes à l'intérieur de l'école qui doit être la politique poursuivie, et c'est ce que nous ferons.